coeur automobile. Depuis longtemps cherchent un style qui leur permettrait d'écouler leur production à l'étranger. La solution c'est le sur-mesure, à chaque pays sa voiture. Pour qu'un modèle soit exporté, faut qu'il soit personnalisé. En France on connaît nos limites, nous on en a des toutes petites. Des plus petites, il n'y en a pas, à part peut-être celle des Chinois. L'américaine en a une large, qui rentre même pas dans le garage. Au Portugal, ce qu'on aime beaucoup, c'est qu'il y ait de la fourrure partout. Chez le Russe qui aime faire des conquêtes, elle est montée sur chenillette. Un bel engin qui sans problème pénètre le marché tchétchène. En France on connaît nos limites, nous on en a des toutes petites. On les astique avec amour, dès qu'elles ont fait un aller-retour. Chez les Grecs y a pas de portière, car ils passent tous par l'arrière. Pour la longueur aucune n'égale celle qu'on peut voir au Sénégal. Chez les Brésiliens, oh, quelle tristesse, y'en a même où il manque des pièces. Au Vatican, elle dure longtemps, faut dire qu'elle serve pas souvent. En France, on connaît nos limites, nous on en a des toutes petites. Le temps de préchauffage est très court, car elle démarre au quart de tour. Les Anglais qui ont de la jugeote ne retire jamais leur capote. L'Israélien qui est circonspect exhibe un beau modèle coupé. En Italie on s'en tamponne, pourvu qu'il y ait un beau klaxon. Au Proche-Orient il y a des mecs qui s'envoient même en l'air avec. Femmes veulent bien les prendre en main, à condition qu'il y ait de bons freins.